Voilà, Oscar, vous êtes toujours avec nous? Oui, Oui, tout à fait. voilà. Alors donc, je tiens à dire aux auditeurs qu'il y a énormément de questions. On est inondé de questions d'auditeurs. On peut malheureusement pas toutes les citer à l'antenne, mais nous prenons les plus importantes. Je crois qu'il y en a Oui. une très Alors, intéressante là. très intéressante. On a une question d'un auditeur qui nous dit, lorsque les compagnies aériennes verront leur chiffre d'affaires décroître, elles feront pression contre le pass sanitaire. Alors là, moi, j'en suis pas tout à fait sûre parce que les compagnies aériennes, elles ont quand même obtenu des milliards, hein, si je me trompe pas. Je crois qu'Air France a eu De près de subventions. 7 milliards d'aide au début de la crise sanitaire. Donc, je suis pas sûre qu'elles ne soient pas aidées pour aider justement le gouvernement à imposer le pass sanitaire s'ils ont décidé de l'imposer. Alors là, il y a une observation très intéressante d'un auditeur qui nous dit que la miniaturisation de l'électronique va de pair avec la baisse des coûts de production, ce qui permet une extension absolument totalitaire des dispositifs de surveillance, d'identification infalsifiable et de mémorisation. Il y a déjà plus de 5 ans, Steve Wozniak, le véritable créateur technique d'Apple, disait que cette évolution aboutissait à un monde de cauchemars. La 5G n'était encore à l'époque qu'un projet et son réseau va être une immense toile d'araignée. Les objets connectés, ce sont les humains. Et là, ça rejoint tout à fait ce que disait tout à l'heure Nicolas Stoecker, c'est absolument exact. En particulier, l'auditeur nous dit qu'il faut signaler que les données médicales enregistrées sur la carte vitale en France sont collectées par une société de big data américaine en toute illégalité. Et l'auditeur nous dit en particulier le compteur Linky, qui d'ailleurs va être facturé finalement, contrairement à ce qui avait été promis aux usagers, et très cher, permet également de recueillir des données. Alors, c'est très inquiétant, ça, je pense que c'est un phénomène qui est planétaire. Et est-ce que en Suisse, est-ce que les gens sont conscients de la menace qui pèse sur eux avec cette miniaturisation d'électronique et des moyens de surveillance? En fait, les gens devraient avoir peur de ça et au lieu de ça, ils ont peur du Covid. Ouais. Un taux de mortalité risible. Alors on vous entend très très peu là. Brusquement, le son est Oui. abaissé. Ah voilà, pardon. Voilà. On Ça entend va? mieux. Oui, ça va mieux là. Voilà. Donc, les gens devraient plutôt avoir peur de ce genre de totalitarisme qui ne porte pas son nom, ce contrôle qui a remplacé le pouvoir, au fond, c'est de contrôler qui est important, c'est plus d'enfermer ou de C'est ça. soumettre à des pressions violentes, etc. Et les gens, mais regardez ce qui s'est passé. Au fond, c'est pas le Covid qui a ruiné les gens, qui a ruiné l'économie, Tout à fait. qui a privé beaucoup de gens de leur base économique. C'est les mesures, ce sont les mesures. Tout à Et fait. maintenant, ces mesures liberticides, on va les faire voter en promettant des montants aux médias, au système sanitaire, à différentes composantes, hein, aussi l'aviation, etc. Surtout les médias, c'est là que ça me choque le plus. On leur paye quelque chose, on leur donne de l'argent pour. C'est le sucre pour faire passer la loi Covid, hein, d'accord. Oui, Mais c'est ça. cet argent, c'est l'argent du contribuable. Oui, tout à fait, Donc tout à le fait. contribuable, il est baisé deux fois. Oui, tout à fait. Donc une première fois, on l'a eu en le ruinant. Et maintenant, on utilise encore l'argent de ce contribuable Pour indemniser. jeté par la tête pour faire passer des mesures liberticides qui, de nouveau, seront à sa défaveur. Non mais c'est assez ahurissant ce qui est en train de se passer, c'est quand même incroyable. Donc Oui, oui. celui qui a planifié ça, franchement c'est un génie. C'est un génie, malfaisant, mais c'est un génie. Oui. Alors, je crois que Modeste Schwartz nous a rejoint. Vous êtes là, Modeste? Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Voilà, Oui, heureux de vous bonsoir. accueillir. Alors, nous avons demandé à Oscar Freisinger de rester donc à l'antenne puisque notre ami sur Bonne Despot était indisponible. Et vous avez peut-être entendu le début de cette émission, hein, et les différents intervenants. La question qu'on voudrait aujourd'hui maintenant aborder avec Oscar Freisinger, c'est quelle va être la suite du film? Est-ce que vous, qui êtes un fin psychologue et que qui avez bien étudié les écrits du groupe de Davos, notamment de Klaus Schwab, quelle va être la suite de leur scénario, à votre avis? Merci de me donner cette occasion, entre autres, de dialoguer avec Oscar Freisinger, qui est quelqu'un que je suis depuis longtemps.
Et visiblement, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Et du coup, j'en profite pour m'excuser auprès de lui de commencer en fait mon intervention en passant un peu au-dessus de sa tête pour répondre à la question que vous venez de me poser et que vous aviez anticipée en tout début d'émission. J'ai effectivement écouté l'émission depuis le début. Et qui est une question intéressante, dans la mesure où vous n'êtes pas le seul à me la poser, en fait, on me la pose souvent, ce qui est très révélateur en réalité, parce que le fait qu'on pose à un linguiste, analyste politique, si vous voulez, philologue, ce genre de questions, montre déjà en soi que, je pense, la grande majorité, de toute façon, de ceux qui nous écoutent, ont bien conscience que le sujet dont il est ici question n'est pas essentiellement sanitaire. Alors pour ceux qui auraient encore quelques doutes, entre autres parce qu'ils se dans la dissidence française, ils se laissent facilement porter à la dérive par des thématiques non pas fausses mais simplement non pertinentes à mon avis, qui sont celles de l'origine du virus ou même la thématique, si vous voulez, pourtant souvent embrassée par quelqu'un que je soutiens, qui est Florent Philippot, de la prévention et des traitements. Alors bien sûr que c'est important, mais quand on en parle, on devrait toujours commencer la première phrase, ça devrait toujours être celle-là, ce n'est pas sanitaire. Alors pour ceux qui auraient des doutes là-dessus, ben y a un canal YouTube qui a, au moins pour les aspects français, mais j'entends dire justement à l'instant dans l'émission que les observateurs ont fait le même travail en Suisse. En tout cas, en France, on a cette chance d'avoir un mathématicien, un statisticien qui s'est penché sur la question, qui anime donc le canal YouTube Décoder l'écho, ouais. Décoder l'économie. Et donc, les auditeurs qui auraient encore quelques doutes sur cette question, ben, je les invite à regarder les exposés donc de ce statisticien. Quel est son nom ? Vous pouvez nous donner son nom ? Oui, il s'appelle Pierre Chaillot, d'accord. Donc c'est un statisticien qui, je crois d'ailleurs, a travaillé pour l'INSEE. Évidemment, il ne représente pas le point de vue de l'INSEE, qui est aux ordres, mais en tout cas, je dirais qu'il règle la question du point de vue sanitaire, parce qu'en termes de santé publique, ce qui compte, ça n'est pas, si vous voulez, les détails de la virologie, les séquences, les variants, etc. C'est l'impact démographique. Oui. Or, en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est une pandémie, entre guillemets, invisible, démographiquement invisible, ce qui me permet de l'appeler une grippe. Alors, j'ai peut-être tort d'un point de vue virologique, mais je suis pas virologue, donc ça m'intéresse pas. En tout cas, d'un point de vue démographique, et donc d'un point de vue de santé publique, eh bien, c'est une grippe. Donc, la véritable question, elle est de toute évidence politique. Ouais. Quand on parle du Covid, et là, la référence à Klaus Schwab est tout à fait primordiale, parce que souvenez-vous simplement, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, du titre de son ouvrage. Son ouvrage s'intitule Covid-19, ouais. / la grande réinitialisation. Ouais. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, bah oui, le Covid-19, c'est, si vous voulez, le nom populaire, le nom vulgaire de ce qui, pour les élites, s'appelle en réalité le Great Reset, la grande réinitialisation. Voilà. Et du coup, bah, la réponse est déjà un peu dans la question, ou dans la manière, en tout cas dans la manière dont j'ai représenté la question. Quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, quand vous décidez que ça s'arrête. Ouais. Puisque le Covid, entre guillemets, n'est pas essentiellement une pandémie, n'est pas essentiellement un événement sanitaire, mais un événement politique, un nouveau mode de gouvernement, il faut oser le mot, eh bien, un nouveau mode de gouvernement, donc imposé par putsch, quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, quand le putsch lui-même est arrêté. Et ça, ça ne peut se produire que du fait, si vous voulez, d'une décision politique, c'est-à-dire d'un soulèvement, ouais. Du peuple, ou au moins d'une partie du peuple. On sait que ce sont les minorités actives qui, ouais. qui font l'histoire, ce qui me rend aussi assez dubitatif sur toutes ces questions de sondage, ouais. Et démocratie. Voilà, parce qu'on pourrait aussi considérer que le véritable sondage, bah, c'est le sondage, si vous voulez, des injections. Ouais. Donc on passe les médias aux ordres et achetés. Hein, on sait même très exactement par qui et pour combien. On ne cesse de vous répéter on manque de doses, on manque de vaccins, c'est pour ça que ça va lentement, etc. C'est évidemment faux. Si des pays, par exemple, finalement assez pauvres et assez peu technologisés, comme la Hongrie, où malheureusement une grande partie de la population est victime de la trahison et du mensonge du faux populiste Viktor Orban. Si un pays donc comme la Hongrie a pu arriver aujourd'hui, je crois qu'ils sont à peu près 55% de piqués dans la population globale, bah vous vous rendez bien compte que des pays beaucoup plus riches et technologisés
ouest de l'Europe pourraient être à des niveaux, même sans recourir comme eux à des vaccins extra-européens, pourraient être au même niveau à l'heure actuelle. S'ils ne le sont pas, eux prétendent que c'est par manque de doses, etc. Non, c'est parce que les gens ne sont pas fous et ne sont pas, pour la majorité, pas disposés à servir de cobayes. Donc en réalité, le référendum des injections, il a déjà eu lieu. Ces organisateurs sont bien conscients du résultat et ils savent très bien qu'à terme, pour eux, l'alternative, c'est rester au pouvoir ou aller en prison. Ouais, c'est ça. Et encore, je suis gentil. Oui, donc, dans une situation pareille, mettez-vous à leur place. Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Eh ben, jamais. De même, jamais. Vous voyez, parce que ça revient à signer leur propre mandat d'arrestation. Alors, je vous interromps un instant parce que je voudrais demander à Oscar Fassinger ce qu'il pense de votre analyse, qui est une analyse politique, qui est intéressante, évidemment. Oscar, est-ce que vous partagez l'avis de Modeste Schwartz sur ce point? Oui, absolument. Donc, l'analyse est tout à fait correcte. Je le partage totalement. Klaus Schwab est très clair. Il se rend bien compte. Hein, donc, la clique qui a mené la barre jusqu'à maintenant, il se rend compte que la plupart des États sont en faillite, ce qui fait partie d'ailleurs de leur plan, et qu'à un certain moment, ça risque de péter. Donc, il faut arriver à tenir les masses tranquilles. C'est pour cette raison qu'ils vont introduire l'argent virtuel. Mm-hmm. Ça, c'est clair, c'est la phase suivante. Donc, Klaus Schwab le dit très, très clairement. Et puis, abolir la propriété privée, puis introduire un salaire minimum global. Donc, pour que les gens aient quelque chose à perdre. Donc, on essaye d'éviter un soulèvement, etc. Le seul problème, c'est que j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une guerre. Ouais. Parce que les trous sont tels que... Les Américains, en tous les cas, chaque fois qu'ils sont dans la merde, ils font une guerre. Donc, parce que voilà, ça leur permet de vendre du matériel de guerre, ça leur permet d'effacer l'ardoise. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement maintenant un projet qui est... Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que Klaus Schwab ne se cache de rien. Oui. Donc, c'est quand j'avance, c'est les arguments que Klaus Schwab explique dans son livre... On me dit, mais t'es un complotiste. Je dis, mais non, attendez, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, je vous cite juste le bonhomme. Ouais. Donc, c'est pas moi qui complote. J'ai là un bonhomme qui écrit un livre, qui est quand même le directeur de son forum mondial de Davos, et qui semble avoir ses grands copains justement dans ces milieux-là, et qui le dit, qui se cache même plus. Alors, ce qui était différent auparavant, c'est qu'il se cachait. Ouais. Et ça, c'est une force, c'est que tant qu'ils étaient cachés, effectivement, on n'avait pas. C'est difficile de se battre contre quelque chose qui n'a pas de visage, qui n'est pas identifiable. Là, maintenant, ils sont sortis du bois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont aussi sûrs d'eux, qu'ils sont aussi arrogants, ou est-ce qu'ils commencent à sentir que ça sent le roussi? Alors, Modeste, Alors, Modeste, vous aviez commencé à répondre lors de la dernière émission. Vous avez dit, mais ils ont probablement déclenché cette opération de manière un petit peu improvisée et prématurée. Vous vous souvenez de ce que vous aviez dit? Oui, tout à fait. Et là, je vais abonder dans le sens d'Oscar Freisinger. Et puis un peu répondre aussi à l'une des questions accessoires qu'il pose au passage. Qu'est-ce qui les rend si arrogants? Entre autres, la conviction que le tour de passe-passe, le numéro de magicien, c'est pour ça que j'ai intitulé mon commentaire de Schwab, je l'ai intitulé « Le magicien de Davos », il est convaincu que ce tour de magie va fonctionner. En quoi consiste ce tour de magie? Eh bien, d'une certaine manière, la façon dont vous avez, là, je vous prie de me pardonner pour cette critique, mais je pense qu'elle est utile, et notamment utile à la compréhension pour les auditeurs de la situation dans laquelle on se trouve. La manière dont vous-même, Olivier, avez présenté en début d'émission la situation est assez révélatrice, si vous voulez, de l'efficacité de cette prestidigitation, parce que quand on lit Schwab, qu'est-ce qu'on voit? On voit un programme politique que j'ai dans mon commentaire comparé au manifeste du Parti communiste, au petit livre rouge, etc., mais qui est constamment, si vous voulez, camouflé, décoré comme un sapin de Noël de prédictions pseudo-futurologiques et qui concerne avant tout, si vous voulez, l'évolution de la technologie. Et vous aussi, vous avez au début parlé de la technologie, mais je voudrais abonder dans le sens de
l'objection que vous a adressée récemment un auditeur pour dire que c'est avant tout, c'est une illusion, c'est une forme de marketing. Les technologies qui sont à l'œuvre dans ce Great Reset réel, hein, pas dans les fantasmagories du livre de Schwab, et ben maintenant elles sont bien connues, on peut déjà parler a posteriori. Vous avez un pays comme la Hongrie où l'Ausweis, hein, le passeport intérieur, comme on disait en Union soviétique, est déjà en fonction. J'y ai vécu assez longtemps, j'y conserve assez de contacts pour le savoir très exactement. Donc sans l'Ausweis, vous pouvez vous asseoir, boire un café sur une terrasse. Pour entrer dans l'intérieur du café, on est censé, alors je ne dis pas que c'est appliqué très rigoureusement, mais on est censé présenter son Ausweis. C'est déjà fait. Or, l'Ausweis en question, c'est quoi comme technologie? C'est quelque chose qu'on aurait très bien pu faire il y a 20 ans. C'est une carte à puce. Voilà. Donc, ça devrait en principe couper court à toutes ces fantasmagories sur l'évolution des technologies, etc. C'est assez logique que Schwab présente les choses comme ça, parce que lui, c'est essentiellement, c'est fondamentalement, et je pense sincèrement, un progressiste. Ouais. Les progressistes, et notamment les progressistes de facture marxienne, ce qu'il est, hein, c'est un marxiste, considèrent la technologie comme un destin, hein, ce qui avait amené quelqu'un comme Heidegger à parler de la technologie comme dernière métaphysique. Bon, l'histoire en fait humaine nous révèle que c'est faux, hein, que les Chinois connaissaient la recette de la poudre des millénaires avant qu'on se mette à l'utiliser à des fins militaires en Europe, etc. etc. Bon. Donc, je pense que c'est cette foi en la technologie et notamment en fait ces effets comme les effets d'une conviction religieuse qui explique entre autres cette témérité effectivement du club de Davos qui, comme l'a bien remarqué Oscar Freisinger, ça c'est la grande nouveauté de 2020, est passé, je pense, sans s'en rendre compte, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils sont passés d'un modèle qui marchait très bien, qui est la gouvernance, dont les mécanismes ont été très très bien décrits par un autre commentateur de Schwab, d'ailleurs publié aux mêmes éditions que moi, Culture et Racine, qui est Éric Werreg. Et Éric Werreg vous explique, si vous voulez, ces mécanismes de la gouvernance, ou de ce qu'il appelle ailleurs le mainstreaming. Hein, c'est-à-dire justement, gouverner mais dans l'ombre, avoir toutes les décisions mais aucune responsabilité, et être en permanence certain que l'éventuelle colère des peuples va se diriger contre les exécutants, contre ce qu'on continue à prendre pour des gouvernements nationaux alors qu'ils ne le sont pas, et non contre eux parce qu'eux, ils sont dans l'ombre. Et bien justement, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là sont passés, je pense, sans s'en rendre compte, et je pense que c'est la plus grande erreur de leur vie, ils sont passés de la gouvernance au gouvernement. Ouais. Et du coup, c'est ce qui vous explique aussi qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Cause d'accessibilité. Et du coup, je peux finir de répondre à votre question initiale. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, à l'automne, etc. Eh bien, à défaut de soulèvement, parce que le soulèvement est la seule sortie de crise imaginable en dehors du programme de Davos, et bien tout va continuer pareil, c'est-à-dire que vous vous fassiez piquer, que vous ne vous fassiez pas piquer, que vous votiez Macron, que vous votiez Le Pen, c'est en réalité le même programme. Il y aura de toute façon à l'automne une quatrième vague ou une cinquième, je ne sais plus, j'ai oublié les numéros, ou bien un Covid-21 ou un Covid-22, ce que vous voulez, ou bien ils vous expliqueront carrément que non, en fait, le Covid, c'est fini, mais maintenant, c'est le réchauffement planétaire. Donc maintenant, il va falloir rester chez vous, hein, vous abstenir d'utiliser votre voiture à essence et surtout, décliner votre identité numérique où que vous alliez pour des raisons climatiques. Ça, si vous voulez, les détails de la narration sont relativement secondaires. Le véritable événement de 2020, il n'est pas sanitaire et il n'est pas non plus technologique, il est politique. La démocratie occidentale a été mise entre parenthèses et maintenant, il dépend des occidentaux que cette mise en parenthèse devienne définitive, c'est-à-dire qu'on parle de la disparition de la démocratie occidentale ou que la parenthèse de fin, si vous voulez, soit à un moment apposée à cette séquence. Alors c'est pour ça que l'étape du 13 juin est importante. Oscar Freisinger, je pense que vous êtes très intéressé par ce que vient de dire notre ami Modeste Schwartz. Mais parce qu'on va voter sur deux initiatives qui remettent en question notre capacité de nous nourrir, donc l'autosuffisance alimentaire. Il y a une qui donne des moyens à l'État pour sanctionner les citoyens qu'on peut définir comme terroristes sur la base d'une définition du terrorisme. Il suffit de répandre la peur et vous êtes déjà un terroriste. Ensuite, vous avez le CO2, et on sait toutes les mesures liberticides qui y sont prises.
Donc par rapport à les taxes, si vous utilisez, vous serez puni dès le moment où vous dépensez un peu de carbone. Si vous osez respirer plus d'une fois sur deux, ça, oui, c'est sanctionné. Vous ouvrez la même chose avec la loi Covid. Donc vous avez, j'ai jamais vu dans l'histoire de la Suisse un paquet de mesures votées en même temps de manière aussi liberticide. C'est quasiment ainsi, ça forme un système. C'est incroyable. J'espère que au moins 3 ou 4 de ces lois seront refusées, j'espère, mais c'est pas sûr. Mais pour revenir juste à ce que disait M. Schwartz avant, il a cité Heidegger. Et ce qui est intéressant avec Heidegger, c'est la chose suivante, c'est qu'il dit, une phrase qui a choqué, quand il l'avait prononcée, il avait dit « la science ne pense pas ». Or, on voit que l'ingénierie sociale, on sait de Fourier, c'est une sorte de transformation du sociologique, du social, du vivre ensemble, de la démocratie, etc., en science. Mais la science ne pense pas. Je veux dire, la science elle-même, la pensée scientifique ne se pense pas elle-même. Elle n'a pas une distance par rapport à elle fonctionne. Mm-hmm. Elle fonctionne, elle a tout à fait sa raison d'être. Mais elle fonctionne. Pour penser la science, la remettre en question, il faut autre chose. Il faut un être humain avec des notions de philosophie qui se pose des questions essentielles et de la psychologie, etc., etc., etc. Ah, alors vous allez tout à coup commencer à pouvoir prendre distance. Mais il faut surtout une âme humaine qui est capable de s'élever au-dessus de cela, ou disons, prendre un angle de vue qui fasse de l'être humain une fin en soi et non pas un moyen. Oui, et la science, elle transforme tout en moyen. Oui, et elle ne va pas poser la question de la fin en soi de l'être humain. Mais bien, oui. Et nous en sommes à cette déshumanisation que Heidegger, dans les années 50, déjà annonçait. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, il y aura certainement un moyen à la rentrée. Alors, je crois que Bérénice voulait poser une question. Oui, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez en ce qui concerne l'être humain, puisque vous parlez de l'âme. Et tout à l'heure, vous nous parliez de cette logique matérialiste, finalement, qui gouverne le monde et les élites, mais pas seulement. C'est-à-dire que la population, contrairement à ce que vous disiez, Modeste Schwartz, je crois qu'il y a 20 ans, les populations n'étaient absolument pas prêtes. Il n'y a pas de QR code il y avait 20 ans, il n'y avait pas les iPhones. Et puis, Il y avait déjà les rudiments de tout ça, mais il y avait les cartes à puce, mais déjà les cartes bleues étaient bien moins répandues en 2000. Et puis, il y a quand même eu un progrès technique. Non, je crois qu'elle a raison, il y a un ensemble de choses. C'est surtout que la population aurait jamais accepté d'être quelque part marchandisée, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est un peu le problème. Si, bien sûr. Pardonnez-moi, mais je dois dire que vous vous trompez. Il y a effectivement un lent glissement des mentalités, une évolution anthropologique inquiétante, c'est indéniable. Mais on ne peut pas tout mettre sur ce compte-là, tout comme on ne peut, à mon avis, pas mettre en réalité grand-chose sur le compte de la technologie. Et je vais vous en administrer la preuve. La technologie d'ingénierie sociale qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle le Covid, c'est une technologie qui vient des lobbies pharmaceutiques, qui vient du pushing médicamenteux des lobbies pharmaceutiques. Et en réalité, elle n'est absolument pas neuve. Elle a été utilisée de manière assez d'ailleurs révélatrice juste au lendemain de la grande crise financière de 2008, sous la forme d'une sorte de répétition générale, rétrospectivement, on peut l'interpréter comme ça, du Covid, qui était la fameuse grippe H1N1. Oui, là, exactement. Eh bien, souvenez-vous que ça avait lamentablement échoué. Oui, tout à fait. Au point que, parmi les institutions qui, à l'époque, ont fait leur travail, ont réagi, ont été très critiques vis-à-vis des abus qui avaient été commis, vous trouvez le Sénat français et, alors pardonnez du peu, la Commission européenne. Mm-hmm. Bon. Donc, tout ça vous démontre que, comme l'a d'ailleurs sous-entendu Oscar Freisinger, qui visiblement comprend bien ce qui nous arrive, ce qui s'est en réalité passé, et je pense avant tout à partir de 2014-2015, à partir de la grande frayeur oligarchique des années 2015-2016, c'est la jonction entre cette mafia pharmaceutique qui existait déjà, qui était déjà à l'œuvre, qui avait déjà ses méthodes, etc., si vous voulez, les organisations de Bill Gates, pour le résumer de manière un peu caricaturale, et un appareillage politique et médiatique qui n'était pas encore à 100% synchronisé avec eux en 2008, 2011,
2011, 2014, etc., et qui aujourd'hui l'est. Ouais, ouais. Or, c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi l'évolution de cette configuration médiatique qui, à mon avis, a conditionné l'urgence, ou du moins la perception d'urgence, l'urgence subjective pour la hausse du putsch covidien. En effet, on sait très bien qu'à la faveur du renouvellement générationnel, à chaque... Allô ? Oui, oui, on avait un petit problème d'écoute, mais ça semble être revenu, c'est bon. Oui, oui. Voilà, voilà. Donc, chaque année, par un simple effet de renouvellement générationnel, vous avez moins de consommateurs de la, ce que j'ai appelé dans un texte récent la galaxie Gutenberg 2.0, c'est-à-dire les médias hertziens. Vous avez de moins en moins de gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, qui lisent la presse écrite, et de plus en plus qui consomment les médias interactifs, les médias électroniques, qui sont plus difficiles, quoi qu'on en dise, comme quoi, vous voyez, la technologie, c'est pas dans un seul sens, qui sont plus difficiles à contrôler que les médias de la galaxie Gutenberg 2.0, ce qui fait que ce sont des courbes faciles à tracer. On voit très bien qu'à un moment elles vont se croiser, et donc l'élite de Davos savait très bien déjà l'année dernière, déjà il y a 2 ans, déjà il y a 10 ans, que d'ici à, disons grossièrement, 2030, ils allaient de facto perdre les rênes de cette démocratie de marché et d'opinion, et que donc il fallait la faire disparaître, la mettre sous contrôle avant cette... Qu'il ne soit trop tard, oui. Qu'il soit trop tard. Et cette remarque, d'ailleurs, me permet aussi de conclure, si vous voulez, sur mes prédictions. Donc, puisqu'on m'a nommé Pity de Delphes dans le cadre de cette émission. Donc, pour ceux qui n'auraient toujours pas l'intention de se soulever et qui penseraient, vous parliez à la fin de la rentrée, qui pensaient que maintenant allons en vacances, profitons de l'été, et puis on verra déjà ce qui se passe à la rentrée. Oui. Non, détrompez-vous, vous ne verrez pas. Si vous ne vous soulevez pas dans les prochaines semaines, je dis bien semaines, il y a de fortes chances pour que vous ne voyez même pas ce qui se passe à la rentrée, pour une raison simple. Exactement comme le forum de Davos avait, à l'automne 2019, je répète, l'automne 2019, organisé un événement de simulation d'une pandémie. Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, en octobre 2019. Il y a quelques minutes, l'événement 201. Eh bien, il vient d'organiser la simulation, pareil, d'une réaction mondiale salvatrice, comme d'habitude, ce sont des sauveurs de l'humanité, à un événement de cyberterrorisme, on a eu d'ailleurs, c'est très connu, un exemple en principe concret, en principe spontané, récemment, donc avec cette grande attaque sur des réseaux d'approvisionnement en énergie aux États-Unis. Il y a donc, à mon avis, à défaut d'un soulèvement, il y a donc, à mon avis, de très fortes chances pour que dans le courant de cet été, tout d'un coup, Internet soit coupé en Occident. On parle toujours de l'Occident. Ça s'appelle Forum économique mondial, ça s'appelle pandémie, donc mondial, etc. En réalité, tout ça se passe dans les pays de l'OTAN. Dès que vous sortez de l'OTAN, ça n'existe plus vraiment. Vos auditeurs n'en ont pas forcément conscience, parce que eux n'ont pas vécu au cours des derniers mois, comme c'est mon cas, en Biélorussie, en Suède, etc. Donc ils s'imaginent peut-être que ce qu'ils voient en France, en Allemagne, etc. est mondial. Pas du tout. Tout ça est confiné aux pays sous influence directe de Davos, c'est-à-dire, pour simplifier un peu, aux pays de l'OTAN. Bon, plus Israël. Bien. Il y a de fortes chances, à mon avis, qu'à défaut de soulèvement dans le courant de cet été, dans ces pays-là, Internet disparaisse pendant quelques heures ou quelques jours, et qu'au moment où il est rétabli, on vous explique que maintenant il y a de telles menaces cybernétiques, etc. C'est devenu tellement dangereux que malheureusement, il faut, comme en Chine, il faut le placer sous contrôle parental. Ouais. Et donc à ce moment-là, la suite des épisodes, si vous voulez, j'ose dire, vous aurez encore droit à la version BFM TV, mais vous n'aurez plus droit à la version Radio Courtoisie. Voilà à quoi je pense que... Voilà le risque, voilà le danger. Oui, je vois. Voilà, alors, Oscar, où il ne se soulève pas. Oscar, vous êtes toujours avec nous, Oscar? Voilà, vous avez entendu ce que dit Modeste Schwartz. Est-ce que ce scénario vous paraît effectivement plausible? On en a parlé, pas mal de gens ont dit qu'il y avait en effet un risque de guerre cybernétique qui allait doubler la crise actuelle. Disons que à la fin de ma carrière politique, qui s'est arrêtée il y a 4 ans, j'ai eu la phrase malheureuse où je me suis dit, franchement, je crois que j'ai à peu près tout vu. j'avais rien vu du tout. C'est ce qu'a dit tout à l'heure. Exactement. Ça, c'est ce qu'a dit Nicolas Stoker l'autre jour.
Voilà. Alors, parce qu'alors, c'est ce qui s'est passé depuis, alors là, attendez, à aucun moment j'aurais pu imaginer ça. Donc, ça me semble, il n'y a plus rien de m'étonne maintenant, parce que je me dis que tout devient possible. C'est incroyable, une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Ouais. Et ce scénario-là fait partie tout à fait d'un scénario vraisemblable. Alors, je pourrais imaginer, parce que, et l'analyse est bonne, c'est vrai que, vous voyez bien, les médias officiels essayent toujours de critiquer Internet, de dire combien il y a des fake news. Ils réduisent finalement Internet aux fake news. C'est comme si tout ce qui était dit sur Internet, c'était, et qu'il n'y a qu'eux qui sont évidemment attachés à la vérité, etc., alors qu'ils sont payés grassement par Bill Gates et consorts. Non, mais c'est, dans le cas du Covid, alors c'est flagrant, quoi. Donc, oui, c'est bien d'autres cas. Donc, c'est vrai que cette concurrence-là, on les embête. D'un côté, c'est un moyen de contrôle, mais si la liberté qu'il y avait jusqu'à présent dans le net subsiste, c'est une arme contre leur prise de pouvoir. Donc, ils vont devoir trouver un moyen. Et ce qu'esquisse, monsieur Schwarzer, est tout à fait, je pense, tout à fait crédible. Moi, j'y pensais, parce que je me disais, si je voulais devenir maître du monde, qu'est-ce que je ferais? Je déclencherais une guerre cybernétique, puisque maintenant tout est à distance. Donc, je paralyse les États. C'est très facile. C'est élémentaire, élémentaire, mon cher Schwartz. Mais quelle est la solution? C'est-à-dire, vous parlez d'un soulèvement. Oui, mais alors, c'est pas facile de soulever comment est-ce comme que ça. On soulève de nos chaises à Radio Courtoisie, mais il se passe pas grand-chose. Comment est-ce qu'on pourrait lutter? Parce que vous appelez les gens à soulever, ils sont la plupart du temps terrorisés, ils ont aucun moyen de réagir, enfin, à moins que vous en ayez, je sais pas, est-ce que vous pouvez... Alors que faut-il faire ? Si vous permettez, la réaction va être automatique. Vous allez voir s'établir des micro-sociétés de gens qui vont s'organiser en petits cercles. C'est-à-dire qu'il va y avoir du troc. Il va y avoir un travail de plus en plus avec des ordinateurs hors Internet. C'est-à-dire que vous travaillez simplement sur votre ordinateur comme une seule machine à écrire, mais vous n'aurez effectivement plus nécessairement Internet. Mais vous serez peut-être, vous pouvez créer un réseau parallèle à petite échelle, c'est possible. Le troc, effectivement, on s'organisera socialement, économiquement, aussi au niveau de l'alimentation, par petits groupes qui pourront s'élargir. On va voir que l'être humain qui a une imagination folle, moi j'y crois, l'être humain, je crois qu'il s'en sort toujours quelque part. Même quand on essaie de la vêtir depuis 30 ans, ce qu'on essaie de faire, quand tu vois l'éducation nationale en France depuis 30 ans, on est chargé de pleurer. J'ai été prof 30 ans de ma vie, donc je vois de quoi je parle. On crée les illettrés à qui on peut vendre les pictogrammes de la littérature du futur. Vous avez tout à fait raison. Je dois raconter la dernière fois une anecdote lorsqu'on recevait Christian Gérondeau, qui a fait un livre sur le climat, que mes propres étudiants de master croyaient naïvement que 380 parties par million de CO2, c'était 38%. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le calcul. Je leur ai dit, mais vous croyez sur la planète Vénus? Alors voilà, nous recevons François Asselineau, nous sommes très heureux de l'accueillir. Cher Oscar, je crois que on va garder en ligne Modeste Schwartz, parce que je crois qu'il aura beaucoup de plaisir à poser quelques questions à François Asselineau, qui est quand même une vedette, ne l'oublions pas. Oscar, merci de votre intervention. De rien. Extrêmement intéressante. J'espère vous inviter à une prochaine fois, et si possible physiquement dans ce studio. Et Modeste, restez s'il vous plaît avec nous, puisque vous avez exprimé le vœu de dire quelques mots avec François Asselineau, qui est arrivé maintenant, et dont vous avez dit qu'il était un des rares hommes politiques honnêtes actuellement. Voilà. J'en serais très honoré, et au risque de retarder d'une minute juste son entrée à l'antenne, j'aimerais quand même répondre à la question que m'a posée à l'instant Bérénice, parce que c'est aussi une forme de défi, et donc je voudrais pas me défiler. Comment se soulever? Mais écoutez, je voudrais juste évoquer une très courte anecdote. À Prague, au début des années 2000, je ne sais pas quel est l'état actuel de la législation en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, mais au début des années 2000, en tout cas, c'est sûr, la consommation du cannabis était interdite et punie. Même la consommation, pas seulement la détention et la vente. Bien.
Simplement, il y avait une telle consommation, vous, à Prague, vivez littéralement dans un, je pense que c'est encore le cas, dans un nuage de cannabis, qu'à un moment, alors dans d'autres pays, ça se serait passé peut-être de manière plus à l'est, ça se serait passé de manière un peu tacite, mais les Tchèques, vous savez, ils sont assez germaniques dans la mentalité, etc., il faut que tout soit très clair et bon. Donc, vous avez le préfet de police de Prague qui a déclaré, avec une grande candeur, et il avait tout à fait raison, par ailleurs, en théorie du droit, je pense, mais là, je parle sous votre contrôle, il a déclaré que dans aucun pays, les lois ne sont faites pour amener en prison une majorité de la population. Donc, quand on vous astreint à des... Vous me dites que les gens ont peur. Ils sont, évidemment, s'ils nous écoutent en ce moment, s'ils ont refusé pour l'instant de servir de cobaye, etc., c'est qu'ils sont bien conscients qu'en fait, l'excuse sanitaire ne tient pas. Bon, c'est qu'ils n'ont pas peur. Bien. Si malgré tout, ils acceptent de se museler dans des lieux publics, à l'air libre ou même dans des lieux confinés, etc., s'ils acceptent d'être soumis à tel ou tel test dont la valeur diagnostique est extrêmement contestable, etc., c'est, vous me direz, parce qu'ils ont peur de prendre une amende. Voilà. Bien. Et maintenant, je vous demanderai, moi, je n'ai jamais porté ce genre de niqab sanitaire, je n'ai jamais fait le moindre test, dit test PCR, etc. Bon, PCR, bien. Si, alors, j'ai eu la précaution de le faire dans des pays qui ne vous pourchassent pas. Bien. Si eux, en France, disons, s'avisent de le faire, bon, ils risquent une amende. Très bien, on les met à l'amende. Ils ne payent pas l'amende, qu'est-ce qui se passe ? Récidive, plus grande amende, ils ne payent pas non plus la suivante. Ensuite, théoriquement, c'est la prison. Je ne sais pas si vous avez conscience à peu près des capacités pénitentiaires françaises. C'est pas énorme, mais c'est déjà saturé. Non, bien sûr. Bien. Donc, écoutez, la réponse, je peux pas trop entrer dans les détails pour des raisons que vous comprendrez bien. Mais réponse, elle est simple. La réponse, en réalité, elle est très simple. Qu'est-ce que vous croyez qui vont demander, alors ça a marché, c'est vrai que ça a marché avec des flashballs à l'époque des Gilets jaunes, mais vous pensez franchement qu'ils vont demander à la gendarmerie d'ouvrir le je vais vous répondre, ils feront des exemples avec une sévérité draconienne, et pour le reste, ils miseront sur la lâcheté des gens, et rappelez-vous la phrase de Saint-Just, il n'est pas nécessaire d'exercer la terreur, il suffit de l'inspirer. Et puis pour le reste, s'ils sont débordés, et ben alors là, évidemment, là tout s'écroulera. Mais en réalité, c'est la parabole du lion et du dresseur. Le lion, d'un coup de patte, pourrait tuer le dresseur, mais il ne le fait pas parce que c'est psychologique. Alors il faut arriver à cette situation, non pas de désobéissance civile. J'aime pas du tout ce mot de désobéissance civile, qui a été employé par certains hommes politiques, je crois Philippot en particulier. Mais moi, j'appelle tout ça tout simplement la résistance à la loi injuste. Ça, c'est une obligation morale et civique de résister à la loi injuste et qui traverse toutes nos époques, depuis la plus haute antiquité, depuis Antigone jusqu'à aujourd'hui. Résistance à la loi injuste. Oui. Alors, il faut que nous laissions absolument la parole maintenant à François Asselineau, qui a fait l'effort de venir jusqu'ici, région ô combien éloignée du 16e arrondissement. mais vous restez en ligne, Modeste. Alors, nous avons énormément de questions. On va essayer de les traiter. Mais d'abord, je voudrais d'abord accueillir François Asselineau, le remercier, dire que j'ai plusieurs fois entendu ces interviews qui m'ont paru toujours absolument remarquables. François, vous étiez venu aussi à l'Université de Paris 12 faire une conférence qui avait été très appréciée. Je vous avais parlé avec vous à cette époque. Absolument. Et on aimerait maintenant avoir votre opinion, après avoir eu celle du député Jean-Luc Adore et celle d'Oscar Freisinger et d'autres personnes encore. Quel est le regard que vous portez sur cette crise et des moyens d'en sortir ? Alors, on parle de la crise du coronavirus, c'est évidemment. De la Covid, parce qu'on va parler aussi de la Suisse. Oui, mais la Suisse, on en a longuement parlé. Ah, voilà. Mais maintenant, on va parler quand même de la France et de l'Europe. D'accord. Écoutez, je pense que nous avons affaire à quelque chose qui est truffé d'anomalies. Et quand même, un certain nombre de Français l'ont compris. On a quand même réussi à faire, au cours de cette crise, à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Je pense par exemple à... Vous ne pouvez quasiment plus parler dans beaucoup de cercles de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, du principe même des traitements, sans qu'on vous toise comme si vous étiez quelqu'un qui était insane, qui méritait l'asile psychiatrique, alors qu'il s'agit de médicaments
qui sont archi connus depuis des décennies et qui ont une grande innocuité. Alors l'efficacité est controversée, mais dans le pire des cas, personne n'a dit ou je ne crois pas que ça puisse avoir des effets négatifs. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que ça pourrait avoir des effets très très positifs. Et puis, dans le même temps que l'on faisait ça, on a obligé les gens à prendre du Doliprane, dont les effets sont bien supérieurs aux médicaments qu'on leur a interdit de prendre. Et puis également, on les force à se faire vacciner avec un produit dont on ne sait pas s'il mérite le nom de vaccin ou de thérapie génique, c'est assez controversé également, sur lesquels les résultats sont quand même très 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 très, très sujets à caution et qui de toute façon ne sont que sur des autorisations de mise sur le marché temporaire. Ils sont en phase expérimentale et selon les vaccins, ces phases expérimentales se termineront en 2022, 2023 ou 2024. Et ça, au contraire, on a considéré qu'il était tout à fait normal que des millions de personnes prennent ce genre de médicaments. Donc rien que ça, ce décalage, si vous voulez, met la puce à l'oreille. De la même façon que ce qui met la puce à l'oreille, c'est le fait même qu'il y a eu ces débats hystériques. Enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi on a hystérisé le débat. C'est-à-dire que benoîtement demander « mais est-ce qu'il n'y a pas des traitements qu'on pourrait essayer ?» Aussitôt, on vous a considéré quasiment complotiste, conspirationniste. Et même quand on a parlé de l'origine du virus. Absolument. Alors que maintenant, on admet parfaitement que la question peut être débattue. Voilà. Et d'ailleurs, il apparaît, semble-t-il, de plus en plus que le virus serait bien effectivement d'origine de fabrication humaine. Donc tout ça pour dire qu'on est face à un événement dont les conséquences sont d'abord et avant tout politiques et géopolitiques. Et moi, j'avais fait une fois une vidéo qui a été assez suivie où j'avais regardé l'autorisation dans le monde des pays qui autorisent l'ivermectine ou bien l'hydroxychloroquine. Et il y a quand même une forte corrélation avec les pays qui font partie de l'OCDE. C'est-à-dire que vous avez des univers entiers, dans tout le continent africain ou dans tout le sous-continent indien, ou dans le monde russe, etc., où vous n'avez pas du tout les mêmes réactions face à cette pandémie. Il y a quasiment guère qu'en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et puis dans certains prolongements occidentaux d'Asie, si j'ose dire, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, que l'on a cette espèce d'hystérisation et cette focalisation sur le tout vaccin. Alors qu'est-ce qui va en ressortir? Je pense qu'il est encore trop tôt pour en tirer les conclusions. J'espère que les gens qui se sont fait vacciner n'auront pas à le regretter. J'espère qu'on ne va pas voir dans les années qui viennent se développer des effets nocifs, parce que les effets nocifs d'un vaccin ne se mesurent pas sur 15 jours, ni même sur 3 mois. On a vu sur le vaccin H1N1, ça peut prendre 2 ans, 3 ans avant d'apparaître. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de ces effets. Les effets nocifs, il y en a quand même déjà un certain nombre. Mais il y a d'autres effets également qui sont apparus, je pense, de nature politique. Moi, quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, j'ai été accueilli unanimement par tous les médias qui ne m'avaient jamais donné la parole auparavant en me présentant comme un candidat complotiste. Et pas complotiste parce que j'expliquais que derrière l'Union européenne, il y avait les États-Unis d'Amérique qui étaient derrière, qui étaient à l'affût. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité brûlante. Vous voyez, on a l'espionnage qui est fait par le Danemark au profit des États-Unis contre les intérêts français. Vous parlez d'une solidarité européenne. Mais quand je disais ça, donc en 2017, j'ai été accueilli par un concert de réprobation. On a dit que M. Asselineau était complotiste, conspirationniste. Eh bien ça, je pense que maintenant, ça n'est plus utilisable. C'est-à-dire que désormais, c'est devenu tellement ridicule, puisqu'il y a des choses qui nous ont été imposées comme vérité d'évangile, c'est que le vaccin a été passé par un pangolin, que ceux qui disaient... Le virus était passé par un pangolin, que ceux qui évoquaient l'hypothèse que ce soit de fabrication humaine, comme l'avait fait quand même notre prix Nobel de médecine, c'était évidemment une vieille baderne, n'y comprenait plus rien, etc. Donc il y avait une espèce de discrédit sur quiconque était en désaccord avec le discours officiel.
Et là, ça, je pense qu'il va en rester quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a des adjectifs en France, complotistes, conspirationnistes, qui font maintenant ricaner beaucoup de gens. Oui. Alors, ce que tout à l'heure Modeste Schwartz a soulevé, et avec beaucoup de justesse, c'est que quand on regarde de manière statistique le résultat de cette prétendue épidémie, bah, on trouve guère plus de morts qu'en temps normal. Ce qui veut dire que c'était un virus parmi d'autres qui a été, moi je dis, il a été élu virus de l'année par une bande de joyeux de riz qui se sont réunis à New York en octobre 2019, dans le moment de l'événement 201. Et tout à l'heure, je ne sais pas si François, vous avez pu entendre l'autre partie de l'émission avant que vous n'arriviez. Il a été question de ça, c'était très intéressant, parce que Modeste a montré justement que c'était la conjonction de deux groupes d'influence, d'une part l'industrie pharmaceutique et de l'autre côté les politiques, notamment le Forum économique de Davos, qui avaient décidé de déclencher une opération mondiale. Et Modeste se disait, la prochaine étape, ça pourrait être une guerre cybernétique un nouvel événement de lutte contre une éventuelle attaque cybernétique. N'est-ce pas, Modeste? J'espère que j'ai résumé à peu près ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, pas tout à fait. Oui, enfin bon, j'ai fait au mieux. Hein. Je crois, non mais ça a une importance. Je crois pas davantage, si vous voulez, à la guerre cybernétique à venir que je ne crois à la oui, pandémie totalement fictionnelle qu'on nous a fabriquée à partir du néant. La pseudo-pandémie a servi de prétexte à l'instauration d'une dictature sanitaire, et la pseudo-guerre cybernétique servira de prétexte à une mise sous, je dis toujours de manière un peu plaisante, une mise sous contrôle parental de l'Internet occidental. Ouais. François Sinaud, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective? Oui, c'est une comparaison que je trouve tout à fait intéressante. Alors, moi, je ne sais pas. J'ai manqué, en fait, les débats tout à l'heure, donc je ne saurais pas exactement me prononcer sur ce qu'a dit M. Schwartz auparavant. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses quand même que je trouve un petit peu troublantes. La première, c'est que là, j'ai sous le nez une petite photomontage qu'on m'a transmise. Ce sont les couvertures du magazine Time. Au cours des années écoulées, en 2003, c'était sur la couverture d'un grand magazine américain, c'était sur le SRAS. En 2004, c'était sur la grippe aviaire. En 2005, c'était sur la menace de la grippe des poulets. En 2009, c'était est-ce qu'il faudra utiliser des masques. En 2009, c'était également le virus H1N1. En 2014, c'était sur Ebola. En 2016, c'était le virus Zika, etc., etc. Donc on a quand même une espèce de marronnier, comme on dit dans la profession. Oui. Oui, ça fait vendre. C'est des valeurs sûres. Voilà, ce sont des valeurs sûres qui sont importantes à mettre en œuvre. Par ailleurs, il y a aussi autre chose que je pense que vous savez, c'était Euripide hein, qui dit dans une de ses tragédies, le temps est un bavard qui révèle tout. Il faut laisser du temps pour que les choses commencent à s'apaiser. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de rebond de cette épidémie, qui d'ailleurs, il y a plusieurs épidémies, en fait, semble-t-il, avec plusieurs virus. Et puis, il va y avoir des études qui vont sortir, et puis on va réfléchir à tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que en Occident, on est focalisé sur l'Occident. Et je vois M. Macron qui fait, c'est tout juste, il ne fait pas cocorico devant les résultats, alors que les résultats français sont parmi les plus mauvais de la planète. Exactement. Oui. Sur 195 États dans le monde, on doit être le 18e ou 19e plus mauvais en nombre de morts par habitant. Ouais. D'ailleurs, les pays membres de l'Union européenne et les États-Unis et le Canada sont parmi les plus mauvais. Ouais. Alors que vous avez beaucoup d'autres pays qui sont évidemment bien en dessous en termes de nombre de morts par habitant. Et alors, je vais dire un gros mot. Je vais prononcer quelque chose. Enfin, ici, à Radio Courtoisie, on me tolérera de dire ça, mais n'y voyez pas du tout un soutien au régime en question. Mais moi, je m'intéresse au cas biélorusse. Oui. Parce que le cas biélorusse, alors je sais qu'il ne faut surtout pas parler de la Biélorussie, mais le cas biélorusse, c'est un cas assez étrange, parce que si j'ai bien compris, Loukachenko, qui est un dictateur, ça c'est une chose entendue, il a considéré qu'il n'y avait pas d'épidémie. Et si j'ai bien compris, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de mesure, il n'y avait rien. Et il a fait en fait la même chose qu'a fait le gouvernement français sous Pompidou avec la grippe de Hong Kong. Absolument. En 69-70. C'était même pas un sujet, c'était un non-événement. C'était un non-événement. Mais c'est, je crois, ce qui a été suivi en Biélorussie. Et je regardais il y a quelques jours le nombre de morts par habitant en France de la
de la pandémie, ça a dépassé les 1630 par million d'habitants. Et alors qu'en Biélorussie, je crois qu'on est quelque chose comme 250 ou 300. Alors, il y a peut-être des raisons qui permettent qu'on va m'expliquer. Oui, mais c'est pas pareil. Vous savez, cette formule sacramentelle, jamais pareil dès qu'on fait des objections. Mais moi, ça fait partie de ce genre de pays. Je pourrais en citer bien d'autres. Mais des pays qui ont traité ça de façon beaucoup moins hystérique... Bah oui, ont de bien meilleurs résultats. Et ont des meilleurs résultats. Tout simplement parce qu'on a soigné les gens et parce qu'on leur a pas donné du Doliprane. Parce que l'autre jour, on voyait Philippot qui était face à un médecin complètement hystérique. Il disait, moi, j'ai vu mourir 250 personnes. Bah, Philippot lui dit, bah oui, évidemment, vous les avez traités avec du Doliprane. C'est pas étonnant. Je crois qu'il y a des questions. Voilà, Bérénice, excusez-nous, chers auditeurs, on a énormément de questions, mais alors on peut pas, il faudrait des heures et des heures d'émission. Alors, on a un auditeur qui nous dit « Il est stupéfiant d'entendre les médias dominants du monde occidental critiquer la Russie et les pays d'Asie quand ils veulent critiquer Internet. Je comprends pas très bien la question. Enfin, Moi non plus. Bon. Alors, on a un auditeur aussi qui nous dit « Je fais partie d'une grande société, nous recevons régulièrement des appels, des messages pour que l'on prenne rendez-vous afin de se faire vacciner. » Apparemment, il manque de candidats. C'est vrai, j'ai déjà entendu ça de la part de personnes qui reçoivent des appels, non pas dans le cadre d'une grande société, mais chez eux. Non, mais je comprends la première question. Ça veut dire que on accuse, les grands médias et les politiques accusent les pays comme la Russie d'intervenir sur Internet et de manipuler les gens dans un sens complotiste. Mais la question a été mal transcrite. Voilà, c'était ça l'explication. Voilà. Alors, on a un auditeur aussi qui nous dit « Existe-t-il des associations anti-vaccins que l'on peut contacter par téléphone ? Je n'ai pas Internet, mais je suis militant. » Alors, il y a la Réinfo Covid, Et puis aussi, est très bien pour ça. L'association de Maître Brouza, et puis également Divisio, David Thibault Mercier. Enfin, il y a beaucoup d'associations, effectivement. Qui défendent les libertés publiques et la liberté de chacun de se faire vacciner ou pas. Alors, pour les contacter par téléphone, je ne sais pas, parce que ça faut voir sur Internet. Qui travaillent de façon bénévole et qui n'ont pas forcément un secrétariat. Non, mais il faut noter David Guyon, il faut noter Maître Divizio, Maître Brouza, et puis encore, on a dit Réinfo Covid, voilà. Oui, alors on a une question, mais cette fois-ci pour Modeste Schwartz, d'une auditrice qui nous dit en quoi Monsieur Orban est-il un faux populiste qui trahit sa population ? Alors, Modeste, pouvez-vous répondre à cette question d'un auditeur ? C'est très très simple. Il a réussi, notamment grâce à certains réseaux, de la propagande de ce qu'on a appelé l'Union des droites, en France. Le régime hongrois est très très bon dans la propagande. Hein. Donc, ils ont réussi notamment à positionner leur figure de proue, Viktor Orban, comme le grand opposant européen à ce qu'on appelle le multiculturalisme, à l'immigration de masse, etc., en oubliant totalement que son pays n'est pas concerné par cette question, c'est un pays d'émigration et non d'immigration. Voilà, donc c'était un grand héroïsme discursif. Alors je ne dis pas que tout ce qu'il disait était faux, etc., mais en tout cas, ça n'était pas une action politique, ou du moins une action politique qui ne lui coûtait strictement rien. Et quand en revanche, ça implique des risques, regardez à quelle pression est soumis par exemple Loukachenko, donc par exemple résister à l'opération d'ingénierie sociale et de programmation neurolinguistique qu'on a appelée pandémie, et là, je suis désolé, mais je déplore hautement, par exemple, que M. Asselineau, pour qui j'aurais sûrement voté si j'en avais eu l'occasion, emploie ce terme, parce je suis désolé, il n'y a pas de pandémie. Donc quand il a été question de refuser ce mensonge de la pandémie, eh bien il n'y avait plus de Viktor Orban, ou plutôt, il y avait un Viktor Orban, justement parce qu'il a des choses à se faire pardonner vis-à-vis de l'establishment libéral de Davos, etc., fait en réalité du zèle covidien, hein, après Malte, qui est un pays un peu négligeable du fait de sa population. La Hongrie est le pays le plus piqué en ce moment de l'Union européenne. C'est un pays où, comme je vous le disais avant, l'Ausweis, hein, pseudo-sanitaire, est d'ores et déjà en usage. Alors si c'est ça un patriote populiste, j'ai envie de dire qu'on n'a plus vraiment besoin de gauche mondialiste. Alors, on a un auditeur aussi qui manifestement n'est pas du tout d'accord avec ce que nous disons, puisqu'il nous explique qu'en Grande-Bretagne, grâce à la vaccination,
quasiment plus de morts dues au Covid et que nous fantasmons. Et il nous explique qu'on ne devrait finalement pas s'exprimer sur des sujets sur lesquels on est censé ne pas être ni scientifique, mais plutôt littéraire. Mais et les, donc les ne pas avoir de rigueur. Non, mais les scientifiques ne sont absolument pas d'accord. Et on a fait d'ailleurs des analyses, le docteur Delépine a fait des analyses très pointues sur les pays vaccinés. Il y a le Chili, la Grande-Bretagne et Israël. On a des courbes différentes. Il y a certains pays où l'épidémie recule actuellement, où le nombre de morts diminue, comme la Grande-Bretagne. Il y en a d'autres où, bien au contraire, toutes les campagnes de vaccination ont été suivies d'une mortalité plus grande. C'est le cas, je crois, en Israël. Et c'est le cas dans d'autres pays encore, au Chili, je crois aussi. Et donc, c'est très variable. Et puis, de toute manière, les scientifiques ne sont absolument pas d'accord entre eux. Il y a énormément d'aléas. Ce qui est sûr, c'est qu'une mortalité qui est très, très faible en réalité, et une vaccination, et qui peut être due à beaucoup d'autres causes. Et une vaccination qui ne semble pas, qui est manifestement disproportionnée par rapport aux risques encourus. Alors, il faut qu'on... Oui, si vous permettez juste, j'ai une réponse très courte à cet auditeur, donc qui visiblement doit être mathématicien et statisticien, hein, comme celui qui anime la chaîne Décoder l'écho. Oui. Et bien, s'il a accès à Internet, qu'il aille sur le site de Worldometer, qui compile des données reçues de l'OTAN, qu'il aille dans le tableau comparatif des pays, qu'il sélectionne la colonne du nombre de morts, et là on parle bien de ces statistiques officielles covidiennes, hein, c'est un sujet qui mériterait une émission à soi tout seul, qu'est-ce qu'on appelle une victime du Covid, mais qu'il aille, on prend les chiffres officiels, il va dans ce tableau, il les ordonne en ordre décroissant, et qu'il regarde quel est le premier pays, donc le pays qui a le plus de morts, non pas en Europe, mais dans le monde. Il se trouve que c'est la Hongrie du pseudo-populiste Viktor Orban, qui est aussi, oh quelle surprise, le deuxième, et encore une fois après le Malte qui est assez négligeable, donc on pourrait dire le premier pays de l'Union européenne avec la population la plus piquée. Ouais, voilà. C'est ça. Bon. Bien, alors il faut, François Asselineau, nous on a parlé beaucoup tout à l'heure du passeport sanitaire et des vaccinations pseudo-obligatoires. Alors on aimerait que vous vous exprimiez sur cette question qui est extrêmement grave parce que c'est une sorte de chantage qu'on exerce actuellement sur la population partout dans les pays d'Europe, en particulier les pays de l'OTAN. Et là, il y a une atteinte aux libertés publiques et au droit au respect de l'intégrité corporelle qui est extrêmement préoccupante. Alors, il faut que vous parliez de cette question. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Notre position, pas seulement la mienne, mais celle de notre mouvement politique, c'est que, nous ne sommes pas contre les vaccins en général. Bien sûr. Les vaccins, il y en a qui ont fait leurs preuves avec les variole, par exemple. La variole a été éradiquée en 1975. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu tendance depuis un certain nombre d'années à voir se développer de plus en plus de vaccins, avec derrière un arrière-plan quand même extrêmement financier et avec des résultats qui n'ont pas toujours été très probants. Le vaccin contre la grippe n'est pas un vaccin qui marche extrêmement bien. L'hépatite B, c'est pareil. Voilà. Et on a vu apparaître aussi des vaccins avec des effets secondaires quand même parfois terribles. Le H1N1, par exemple, il y a eu des personnes qui souffrent maintenant de narcolepsie. Donc qui dorment à tout moment du jour et de la nuit. Et ça, c'est quand même terrible. Ça a été reconnu officiellement, mais avec 10 ans de recul par rapport aux vaccinations. Donc nous ne sommes pas contre les vaccins en général. Nous sommes, en revanche, sur cette affaire-là, nous sommes inquiets de voir ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est dans des procédés expérimentaux avec des molécules tout à fait nouvelles. Ça n'a pas franchi tous les stades de précaution. On se heurte quand même à ce principe de base du serment d'Hippocrate « primum non nocere ». D'abord, ne pas nuire. Voilà. Alors compte tenu des circonstances, ce que nous disons, c'est qu'on dit si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Voilà. Mais ne forcez personne. Pas les autres. Ne forcez personne à se faire vacciner. Moi, j'avoue que si je faisais, on dit assez volontiers que les personnes les plus à risque, c'est au-dessus de 75 ans. C'est vrai que c'est une maladie qui a un taux de mortalité au-dessus de 75 ans qui est de l'ordre de 15%, ce qui est beaucoup.
Mais pas énorme. Ce n'est pas non plus énorme. C'est pas la peste. Voilà, c'est pas la peste. Mais c'est beaucoup, 15%. Mais en revanche, les moins de 40 ans, il y a quasiment 0%. Oui. En tout cas, les moins de 15 ans, les moins de 20 ans, il y a 0% de taux de mortalité. Donc, de ce point de vue-là, il nous paraît quand même vraiment très déraisonnable de prétendre à injecter ces produits à une population générale. Ça nous paraît absolument. Et surtout aux enfants et aux adolescents. Aux enfants, aux adolescents, etc. Ça nous paraît tout à fait déraisonnable. Totalement. Donc, ça, c'est notre point de vue. Et sur le passe sanitaire, nous sommes tout à fait contre et on se prévaut. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, hein, parce que les médias savent toujours choisir leurs arguments quand ça va dans le sens, dans un certain sens. Mais je rappelle que s'agissant du passe sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a émis un avis négatif en disant qu'ils étaient contre le passe sanitaire, qu'il présente des quantités de problèmes, à commencer par le fait que d'abord, c'est pas sûr. Vous pouvez avoir, par exemple, un test PCR que vous avez fait 3 jours avant, et puis une heure après, vous attrapez la Covid. Et donc, ou alors c'est un faux positif, c'est à l'inverse. Ou alors c'est un faux positif, vous avez tous les cas de figure. Donc tout ça, d'abord scientifiquement, ça tient pas beaucoup la route. Deuxièmement, c'est très très attentatoire aux libertés publiques. Parce que derrière, ça transforme tous les restaurateurs, tous les établissements en capots qui vont surveiller. Et que deviennent les données après, avec bien le QR code. Ah ben, bien sûr, après on centralise tout ça. On a affaire, d'ailleurs, je trouve qu'il y a des maladies. Écoutez, il y a des maladies beaucoup plus graves, beaucoup plus. SIDA, par exemple. Oui. Le sida, alors, ça ne se transmet pas par des aérosols, semble-t-il, donc c'est sans doute moins contagieux. Mais si vous avez le virus du sida, vous avez quand même une maladie qui est quand même extrêmement grave, même si maintenant, grâce aux trithérapies, les gens en meurent moins ou n'en meurent pas du tout. Ce sont des traitements à très long terme. Enfin, c'est quand même une maladie gravement invalidante. Bon, vous n'avez jamais personne qui a dit on va essayer. Interdire les relations sexuelles aux gens qui ont le sida. Oui, exactement. Ça avait fait d'ailleurs l'objet d'un débat dans les années 90. Je me souviens. Voilà. Et quand il y avait, je me rappelle, je crois que ça devait être Jean-Marie Le Pen qui avait dit ça et qui avait proposé ça, ça fait un scandale au nom des libertés publiques. Donc, maintenant, les mêmes nous expliquent qu'il faut au contraire traquer des gens parce qu'ils ont finalement ce qui n'est pour 80% de la population qu'une grosse grippe. Et puis voilà. Donc, alors, il n'y a pas que l'OMS qui a déconseillé. Il y a également l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a voté contre. Et puis, vous avez les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, puisque l'administration Biden, alors on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose, mais l'administration Biden a indiqué qu'il n'imposerait jamais le pass sanitaire. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs États des États-Unis d'Amérique qui ont édicté le principe de l'interdiction du pass sanitaire. Et puis, ce n'est pas des petits États. Il y a le Texas, la Floride. La Floride, qui sont deux des plus gros États des États-Unis. Vous avez l'Arizona. Vous avez d'autres États qui sont un peu plus campagnards, si je veux dire, ou ruraux, comme l'Arkansas ou comme le Dakota du Sud. Puis je dois en oublier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a le pays qu'on nous présente toujours comme le modèle à suivre, les États-Unis d'Amérique, ont décrété ça. Alors j'ai vu tout dernier, c'est sorti hier, vous avez peut-être vu, que le projet de passe sanitaire au Royaume-Uni a du plomb dans l'air. Semble-t-il que ils vont, je crois, abandonner le projet. Il y avait un article dans le Daily Telegraph d'hier, qui est un journal extrêmement sérieux, et qui montrait toutes les raisons pour lesquelles, probablement, le projet de passe sanitaire qu'avait évoqué à un moment Boris Johnson n'aurait pas lieu. Ne serait-ce que, et vous savez, s'il y a quelque chose qu'on peut bien reconnaître aux Anglais, c'est leur grand souci des libertés publiques. Exact, c'est tout à fait exact. Voilà. Et en France, alors? En France, que va faire le gouvernement? Parce que tant que le passeport sanitaire, c'est juste pour les grandes manifestations ou pour les voyages en avion, on peut faire une fois de temps en temps un test PCR. Bon, c'est déjà casse-pied, mais on peut encore. Mais si ça devait s'étendre, ça rendrait la vie totalement insupportable. Alors, j'ai reçu sur Uper TV, notre chaîne de télévision, c'était hier ou avant-hier, Éric Ferrague, et on débattait de ça. Et puis, on convenait, lui et moi, que la France est un pays quand même où l'autoritarisme, le totalitarisme rampant que nous vivons est tempéré aussi par un peu l'indiscipline. Et je lui disais vous connaissez cette blague, enfin, c'est pas une blague, c'est un bon mot de Churchill qui avait dit en Angleterre, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Oui. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Oui. En France, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Et en Russie, tout est interdit, même ce qui est autorisé. Oh, ça, c'est très amusant, ça. Alors ça, c'est Winston Churchill dans les années 50, qui est très, très drôle. Et de fait, quand vous voyez un peu comment les choses se passent,
Moi, je vois là, dans Paris, les terrasses maintenant sont grandes ouvertes. Il y a du monde, il y a énormément de monde. Ça devient pas possible, je pense. Tout simplement, matériellement, pas possible que vous ayez le... Alors, ça impliquerait un investissement en matériel, notamment pour lire les QR codes, des portails électroniques, parce que les restaurateurs ne sont pas du tout favorables. Si ça reste dans des limites raisonnables et de manière temporaire, c'est ce qu'il y a d'ailleurs. C'est ça qui est important. Absolument. Mais si ça doit devenir un moyen de flicage général de la population, là, c'est dramatique. Alors, tout à l'heure, c'est pourquoi, avec Modeste Schwartz, qui nous écoute, je crois, toujours, et qui est avec nous, nous demandions quel... vous avez bien sûr entendu parler de Klaus Schwab, de son livre « The Great Reset », etc. Qu'est-ce que ces gens-là mijotent pour la rentrée ? C'est la grande question qu'on se posait tout à l'heure avec Klaus Schwab, et c'est là qu'on évoquait la possibilité d'une alerte cybernétique réelle ou supposée ou parfaitement imaginaire. Et vous, François Asselineau, comment vous voyez-vous la rentrée ? Un nouveau confinement, nouvelle vague, variant, mortalité liée au vaccin, nouvelle manipulation des foules ? Moi, j'ai deux signaux orange dans ma tête. Le premier, il y a un truc que j'ai jamais oublié. C'est à la fin de l'année dernière, je crois que c'était le 8 décembre, vous savez, Emmanuel Macron s'était exprimé devant Brut. Il avait dit « je serais peut-être appelé à prendre des mesures terribles ». Voilà, dit « je serais peut-être amené en 2022 à prendre des mesures très impopulaires, etc. » Je ne pourrais pas me représenter. Oui, absolument. Il avait utilisé d'un vocabulaire et d'une tonalité qui faisait un petit peu froid dans le dos, comme s'il y avait une espèce de menace vis-à-vis du peuple français, mais comme si c'était lui-même qui avait reçu la menace, comme si il y avait, je ne sais pas, quelqu'un des forces. Quand nous devrons chevaucher la bête. Voilà. Rappelez-vous ça c'est très curieux cette espèce de. Il est étrange. Bon. De référence à la cabale. En tout cas, ça fait partie de ce qu'il a dit. Ça, c'est incontestable. Ouais. Il a dit ça. Et puis alors, pas plus tard que aujourd'hui, ce matin. Figurez-vous qu'il y a ce titan de la pensée politique contemporaine, j'ai nommé Jean-Pierre Raffarin, qui était invité sur les quatre vérités. Mais il existe encore. Oui, il était invité sur les quatre vérités sur France. Il est plus invité que moi, parce que moi, je suis, à part Radio Courtoisie, et puis de temps en temps Spoutnik et TV Liberté, je ne suis invité nulle part. Donc lui, il a été invité ce matin. C'était la journaliste sur France Info qui lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de ce qui se passait à LR. Il a eu cette phrase historique. À LR, donc les Républicains. Aux Républicains, il a eu cette phrase historique qui témoigne d'une analyse quand même très profonde. Il dit « LR a un problème de ligne politique à clarifier ». Oui, bon, d'accord. Mais il n'a pas dit que ça. Et il a dit un truc après qui, moi, m'a un peu fait sursauter. Et il a dit « Moi, je ne sais pas ce qui peut se passer cet automne ». Et il pourrait très bien y avoir une quatrième vague avec un reconfinement qui nous obligerait peut-être à tout revoir, et notamment lors de lancement des élections. Voilà. Oui. Bon, alors il a dit ça en termes. Alors ça peut bien être, ça peut être tout à fait hypothétique. Il a pu dire ça parce qu'il savait pas quoi dire d'autre. Mais enfin quand même, à ce niveau de responsabilité, surtout quelqu'un qui aime bien enfoncer les portes ouvertes, qui aime bien parler pour ne rien dire, dire ça, ça m'a. Voilà. Donc je ne sais pas. Il y a des tenants de la théorie du quatrième confinement. Tout à l'heure, on en parlait. C'est dommage que vous n'ayez pas pu entendre ce qu'on disait avec Oscar Freisinger et Modeste Schwartz, parce que c'était le sujet. On essayait de faire de la prospective. Et n'est-ce pas, Modeste, vous voyez bien un nouveau. Vous êtes toujours là ? La liaison téléphonique est particulièrement mauvaise. Là, on entend, ça grésille affreusement. Bon, on va voir si ça peut se rétablir. Mais ce qu'on était en train de... C'est là pour ça qu'on parlait d'un nouvel entraînement, un nouvel événement qui serait que ferions-nous en cas de guerre cybernétique ? Et avec des coupures d'Internet, éventuellement. Et là, la crise prend une nouvelle dimension encore. Et là, ça justifie d'autres mesures de traçage des populations, de contrôle d'Internet. Et c'était donc le sujet. Parce que sans ça, moi, ce que je vois aussi, c'est l'incertitude sur les effets à court terme du vaccin. Alors, je ne parle pas des effets à long terme. Parce que là, et en moyen terme, c'est dans quelques années. On y verra beaucoup plus clair à ce moment-là. Mais à court terme, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, il y a 24 millions de doses injectées en France.
Si le vaccin, effectivement, n'est pas si anodin que ça, il va y avoir un sacré prix à payer sur le plan sanitaire. Et là, ça peut bouleverser totalement l'échéance politique. Ah oui, l'échéance politique. Et puis y avoir aussi, vous avez vu quand même que les fabricants des vaccins, en tout cas c'est le cas à la fois pour Pfizer et pour Moderna, ont annoncé qu'il faudra très probablement Des réinjections. Voilà. Mais alors, ça veut dire une troisième injection peut-être cet automne. Ouais. Et puis peut-être il laissait même entendre Pfizer laissait même entendre un truc à vie tous les ans. Oui, oui, comme les chiens et les chats. Voilà. Et comme le rappel de la rage. Et encore, je crois que je préférais encore le vaccin contre la rage, parce que moi il est connu celui-là. Il est fiable. Il y a quelque chose qui pour faire de la futurologie, c'est difficile parce que on est dans des événements qui sont un peu sans précédent. Inédit, tout à fait. Un peu inédit. D'autres. Moi, j'avoue que depuis 14 que j'ai créé l'UPR, j'avoue que je vis des hauts et des bas. Par moments, j'ai le sentiment que le peuple français comprend qu'il y a des choses quand même qui sont en train de se passer. Là, on se focalise sur la question de la Covid-19. Mais il y a des tas d'autres choses dans des tas de domaines absolument ahurissants quand on voit les décisions qui sont prises par le gouvernement. Enfin, M. Macron qui, comme ça, d'un trait, supprime l'ENA, supprime le corps préfectoral, supprime l'inspection générale. Ah oui, supprime les préfets aussi. Le corps préfectoral, supprime. Il donne tout ça à faire par Mme Amélie de Montchalin qui a 35 ans, qui n'a jamais aucune expérience de la fonction publique d'État, qui a travaillé, qui n'a qu'à très très faible expérience professionnelle et dont le mari travaille au Boston Consulting Group. Donc on voit que c'est en espèce de retour vers une reféodalisation de l'État. Ouais. On est en train de privatiser l'État, on est en train de vendre à l'encan tout le patrimoine. Donc moi, quand je vois tout ça, j'ai l'impression par moments que mes compatriotes se réveillent. Ouais. Et à d'autres moments, j'ai l'impression qu'ils dorment, qu'ils sont dans un sommeil. Alors, ce que dit un auditeur, justement, revenons aux questions des auditeurs. Parce qu'on est désolé, on en a énormément. Alors, un auditeur nous dit, mais bonsoir, mais dans tout ça, personne ne parle du coût immense de cette vaccination généralisée. Qui paye les doses, qui paye les laboratoires, parce que ça n'est pas gratuit tout cela, et également tous les tests. Et puis les subventions qui sont données aux entreprises, à l'économie. Modeste Schwartz, vous êtes revenu ? Oui. Ah oui, voilà, on vous entend. On a eu une coupure. Oui, qui paye tout cela ? Effectivement, c'est une question parce qu'on n'a déjà plus d'argent. Alors c'est à crédit tout ça ? On a fait des chèques sur l'avenir ? Vous avez une idée de... Je crois que ça a coupé. Ah, ça a coupé à nouveau. Moi, je vous entends. Ah bon, mais est-ce que vous avez entendu ma question, qui est une question d'un auditeur, qui dit, mais qui paye toutes ces sommes gigantesques de vaccins, de tests, de confinement, d'indemnisation, alors qu'on n'a plus d'argent? Oui, enfin, je pense que la question est rhétorique. Je pense que votre auditeur a bien conscience que c'est de sa poche que tout ça va, in fine, sortir. Bah oui, parce que là, attendez, on dit qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts non plus. Alors c'est de la fausse monnaie. À ce moment-là, on est en plein dans la fausse monnaie. Oui, d'ailleurs là, j'ai une remarque que m'a inspiré mon étude du texte de Schwab, puisqu'il y a un passage donc de la grande réinitialisation qui, à mon avis, montre assez clairement quelle est, alors je ne dis pas que ce sera nécessairement ça l'option retenue ensuite, mais en tout cas, la recommandation de Schwab en la matière, c'est d'appauvrir les gens par l'inflation monétaire. C'est-à-dire que les gouvernements qui suivent ces instructions, ou du moins qui pour éviter le conspirationnisme, qui agissent d'une manière curieusement conforme à ces prédictions, ne sont, à mon avis, pas censés effectivement augmenter les impôts. Donc les gens conserveront sur leur compte, etc., les mêmes sommes nominales. Simplement, elles seront évidemment, le pouvoir d'achat de cet argent sera dévoré par une inflation monétaire. Oui, n'est-ce pas, François Asselineau, qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, l'inflation redémarre en Allemagne assez fort en ce moment. Oui, c'est en règle générale, si vous voulez, quand vous avez un des monceaux de dettes, il y a toujours eu deux façons de les régler, enfin trois façons de régler. C'est soit vous faites défaut, enfin, c'est pas bien parce qu'après vous n'êtes pas bienvenu sur les marchés internationaux, soit vous faites de l'inflation et petit à petit l'inflation rabote la dette, soit la dernière solution, vous faites la guerre. Oui. Enfin, c'est en général les trois formules. Alors il est vrai que nous sommes entrés dans une zone, on est dans un monde incroyable à tous les égards, même sur les marchés financiers, puisque
du fait des interventions répétées de la Banque Centrale Européenne, qui rachète les dettes des États, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et pour contourner les traités, elle rachète sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire elle rachète pas les obligations émises directement par l'Italie ou par la France, mais elle rachète à ceux qui les ont achetées. De ce fait, la Banque Centrale Européenne a acheté tellement de dettes, et continue à en acheter tellement, qu'on est passé en zone des taux d'intérêt négatifs. Ouais. Elle semble se terminer, cette zone des taux d'intérêt négatifs, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est une histoire de fou, si vous y réfléchissez. C'est-à-dire que l'Allemagne, mais aussi la France pendant quelque temps, si vous voulez, si vous prêtiez, mettons, 100 au Trésor public français sur 10 ans, ben vous étiez content de récupérer dans 10 ans 97. Oui. Voilà. Oui. C'est une histoire de fou. Oui. Parce que d'habitude, les taux d'intérêt sont toujours normalement positifs oui. pour tenir compte du risque de l'emprunteur, du risque de oui. défaut. C'est une dénaturation totale du principe du prêt intérêt. Alors, du coup, il y a des gens qui se sont dit, qui ont fait remarquer ce qui n'était pas faux, qu'on a une dette actuellement qui est de 115% du PIB, enfin énorme, on a pulvérisé tous les critères de Maastricht, mais en termes de frais financiers, on a finalement moins de frais financiers qu'il y a 20 ans avec une dette qui était trois fois moindre. Mais cela étant, est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. Très probablement, ça ne va pas durer. Très probablement, les taux d'intérêt vont remonter. Si les taux d'intérêt remontent, au passage, ça veut dire que le prix des obligations diminue. Ça veut dire que le patrimoine, d'ailleurs, des retraités qui a été placé dans des obligations et dans tous les cas de figure risque d'être menacé. On est face à des événements qui sont en matière... C'est pas le sujet de la conversation de ce soir, mais ça mériterait vraiment un débat de fond sur la situation économique et monétaire de la zone euro, qui est absolument incroyable, et sur laquelle règne le même absolue impossibilité de discuter dans les grands médias sur la véritable situation de l'euro. Alors, y a-t-il encore des questions? Parce que je crois que les auditeurs doivent trépigner de voir qu'on ne pose pas leurs questions. Il y en a énormément. Il y a des questions, et moi j'en ai une aussi à vous poser, M. Asselineau. Parce qu'en 2007, on avait organisé un colloque au Sénat sur la démocratie d'apparence, où finalement tout ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui... C'est réalisé. On l'avait déjà expliqué. C'était avant l'élection de Sarkozy. Et alors qu'il y avait une sorte d'engouement ridicule pour ce personnage sautillant, et nous avions dit, en juin 2007, juste avant l'élection, de toute manière, bien naïfs ceux qui croient que c'est le nouveau Bonaparte, il ne leur faudra pas un an pour être amèrement déçus. Et eh bien, nous avions vu juste. Et on se souvient qu'un intervenant suisse, Alain Nicollier, avait dit « Mais de toute manière, je suis abasourdi quand je vois la mentalité de la population française qui attend toujours un sauveur des élections. » Il dit « Chez nous, en Suisse, on sait qu'il n'y a pas de sauveur. C'est à chacun de se prendre par la main. » Encore qu'on peut se demander si, justement, avec la crise sanitaire, on ne s'est pas aperçu effectivement, le peuple suisse pouvait demander à l'État de le sauver aussi. On demande à un président de la République tous les 5 ans... de sauver la France et à chaque fois, finalement, à défaut de la sauver, il enfonce un petit peu plus dans la maladie. Mais... C'est comme un mauvais médecin. On va de charlatan en charlatan. Donc est-ce que ce n'est pas en réalité une véritable crise de la démocratie qui, à mon avis, n'a jamais existé? Depuis... Si on veut faire du modeste Schwartz, on va dire que la démocratie n'a pas plus existé que le coronavirus. Alors, moi, je voudrais, vous me le permettez, allez-y, François, dire quelque chose, c'est que je trouve que c'est... D'abord, je trouve que malheureusement, notre pays file un très mauvais coton. Je pense qu'il y a... La démocratie française, elle n'était pas parfaite, mais il me semble que dans les années 60, 70 ou 80... Les Français, quand ils votaient, ils avaient quand même un peu le résultat de ce pourquoi ils avaient voté. Ouais. Lorsqu'ils ont voté pour Mitterrand en 80, ils ont eu Mitterrand. Et alors on aime ou on n'aime pas, mais Mitterrand, il a appliqué son programme. C'était les nationalisations. Pas partiellement, parce que l'Union de la gauche, ça a volé en d'accord, éclat mais, en 83. D'accord, mais il y avait... Tandis que maintenant les Français... On est totalement déconnectés. Ils votent Sarkozy, ils votent Hollande, ils votent Macron... Et en fait, ils ont toujours la même politique qui s'aggrave d'année en année, en définitive. Et les Français n'ont toujours pas compris. Moi, j'explique depuis 14 ans que j'ai pris mon bâton de pèlerin, que le problème, c'est qu'en France, ceux qui décident ne sont pas là.
tous les grands choix stratégiques en matière monétaire, de taux d'intérêt, en matière diplomatique, en matière militaire, en matière culturelle, civilisationnelle, en matière de réglementation sur l'industrie, sur l'agriculture, en matière de réglementation sur l'immigration, en matière de réglementation sur la délocalisation, tout ça, c'est défini à la Banque Centrale Européenne, à la Commission européenne à Bruxelles, la Banque Centrale européenne à Francfort, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, la Cour européenne des droits de l'homme qui fait partie du Conseil de l'Europe, et puis les accords de Schengen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je vois arriver gros comme une maison ce qui va encore se passer pour 2022 avec des candidats qui vont tous avoir leur programme. Mais le véritable scandale, c'est qu'il n'y ait pas en France, dans les médias, des journalistes intègres et qui prennent chaque candidat en disant « Mais attendez, monsieur ou madame, vous nous dites que vous allez faire ça, mais comment c'est possible compte tenu des engagements internationaux de la France dans le cadre des traités européens, de la Cour européenne des droits de l'homme ?» Mais alors, dans ce cas-là, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce que si vous êtes élu président, est-ce que vous aurez une marge de manœuvre plus grande ou pas, justement, en fonction de ce que vous savez, ce que je dis. Je dis, et je le répète, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 14 ans qui se sont écoulés depuis la création de l'UPR l'ont prouvé, que tant que les Français resteront dans cette espèce de maillage qui s'appelle l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, la Cour européenne des droits de l'homme et les accords de Schengen, vous êtes complètement ligotés. Vous pouvez faire une petite opération de com'. Mais regardez Tsipras, qui était l'extrême gauche qui arrivait en Grèce. Ouais, c'est juste. L'extrême gauche, il a fait quoi? Comme il voulait pas sortir de l'Union européenne, alors il avait nommé Yanis Varoufakis ministre de l'économie. Ça a tangué pendant quelques mois, mais au bout du compte, il ne voulait pas sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Il est resté. Et c'est quoi ce qui s'est passé? La crise en Grèce a commencé, puis il y avait 160% de dette publique, qui était 160% du PIB. Ils ont fait quoi? Ils ont tout privatisé. Mais privatisé les autoroutes, la SNCF locale, le loto national, l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations, l'équivalent des ports, des aéroports, de toutes les îles, etc. Aujourd'hui, ils ont diminué drastiquement les retraites. Ils ont divisé les retraites par deux. Aujourd'hui, plusieurs années après, on en est où? D'abord, Tsipras a été dégagé lors d'une élection suivante. Mais il est quand même resté 3 ans au pouvoir. On en est au fait que le taux de suicide des retraités a augmenté de l'ordre de 2, que les gens sont complètement désespérés et que la Grèce, son taux d'endettement est de 200% du PIB, c'est-à-dire qu'on n'a rien réglé. Voilà. Maintenant, en Italie, on a eu le cas de Salvini. Salvini, c'était l'extrême droite au pouvoir. Alors j'en parle parce que Tsipras, c'était le copain de Mélenchon. Ouais, ouais. Salvini, c'était le copain de Mme Le Pen. Ouais. Ben, Salvini, au pouvoir, il a fait quoi? Il a fait quelques trucs, des petites rodomontades. Vous savez, il y avait des gens qui étaient dans un bateau, des immigrants qu'il a écartés. Donc ça a fait la une de la presse. Mais il n'a rien remis en cause sur les fondamentaux de la dépendance de l'Italie comme de la France à toutes ces décisions qui sont prises à un échelon supranational. Et puis qu'est-ce qu'il est devenu, Salvini? Il a été remercié. Et aujourd'hui, il est le ministre d'un président du Conseil qui est M. Mario Draghi, l'ancien président de la BCE. Oui, et qui d'ailleurs s'est lancé dans une phase de dictature sanitaire sans précédent. Absolument. Puisqu'on on vaccine de force les soignants. Et vous avez remarqué, incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une forte corrélation entre les partisans de la construction européenne, les partisans de la vaccination à outrance et les partisans du pass sanitaire. Tout à fait. On l'a remarqué. Ce sont les trois. Ce sont les progressistes. Voilà. Les progressistes sont pour le contrôle social et la vaccination. Et prendre les gens comme pour des cobayes. Il y a un truc que je voudrais dire avant que l'émission ne se termine. Oui, il y a encore 4 minutes. J'ai vraiment quelque chose à dire. Que j'ai découvert à l'occasion de cette émission. Et si on a des auditeurs suisses, ils pourront le confirmer. C'est que je suis allé sur le site du Conseil fédéral, qui est le gouvernement suisse. En France, on ne connaît pas comment ça marche, la Suisse. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment de chef d'État. C'est un truc. Une présence tournante. Une présidence tournante, c'est très très particulier. Et ce pays qui est né à partir de 1291, qui est très jaloux de sa démocratie directe, de son identité, etc. Et j'ai vu sur le site du Conseil fédéral, il va y avoir le 13 juin prochain. Ah oui, on en a parlé longtemps. La votation populaire dont vous avez parlé. Avec 2 initiatives populaires et 3 référendums. Mais ce que je conseille aux auditeurs, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est d'aller sur le site du Conseil fédéral, donc du gouvernement. Et d'aller regarder, ils ont mis des petites vidéos de 3 minutes 50 sur chacune de ces 5 votations. Ouais. Et quand vous voyez ça, je ne dis pas que c'est parfait,
Mais c'est une autre planète par rapport à la France. Parce que là, quand vous voyez les petites vidéos mises en ligne par le gouvernement suisse, ils expliquent le point de vue de l'opposition, oui, oui. Le point de vue du gouvernement, c'est résumé. Mais il n'y a pas d'outrance et ça se veut objectif. C'est pas tout à fait objectif, mais ça se veut objectif. Et puis je note que, par exemple, les Suisses vont pouvoir avoir, par référendum, voter sur la loi concernant la Covid-19. Absolument, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc quand nous, on voit comment ça se passe en France, comment sur le pass sanitaire... C'est ce qu'a dit Nicolas Stocker. Ah ben voilà, il l'a insisté là-dessus énormément. Alors moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment stupéfiant, que je conseille à tous les auditeurs qui ont Internet, ils vont sur le site du Conseil fédéral et ils regardent ces 5 petites vidéos. Je trouve que c'est un exercice de sens civique. On devrait passer ça aux enfants des écoles en France. Ils se rendraient compte à quel point nous, on vit dans une dictature médiatique absolument ahurissante, puisqu'il n'y a jamais de débat contradictoire sur le sauf, fond. Sauf dans, sur certaines, comme Sud Radio, Radio Courtoisie. Oui, mais les débats, mais qui sont très sélectionnés. CNews. Un peu quand même. Il y a aussi un site que nos auditeurs doivent absolument aller voir, c'est celui des Amis de la Constitution en Suisse, qui a fait des vidéos remarquables où ils expliquent très bien pourquoi, comment la propagande, la désinformation, les risques en quelques minutes, et c'est absolument remarquable. Alors, ce qu'il faut, en conclusion de cette émission, parce qu'on n'a plus qu'une minute, d'abord, je remercie François Asselineau d'être venu, et il faut qu'il sache que nous examinerons sa candidature avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'il est honnête, Florian Philippot aussi fait un très bon travail. Qu'on ne soit pas républicain. Moi, je ne suis monarchiste, mais ceux qui servent la France ont toute mon amitié. Ça, toujours, mais est-ce que toujours. C'est possible dans la République, comme vous l'avez dit? On fera une autre émission avec François Asselineau sur République, démocratie et monarchie. Quel avenir pour la France? Et si je peux me permettre, il y aurait un bon débat à faire. Parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est démocratie contre État de droit. Oui. Parce que pour beaucoup de gens, quand on dit État de droit, c'est la même chose que la démocratie. Mais ils ont tort. C'est pas du tout pareil. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Tout à fait. Démocrate. Bien sûr, bien sûr. Par le peuple, pour le peuple. Et du peuple majoritaire. Exactement. Alors que l'État de droit, c'est ce qui nous est imposé, par exemple, par des commissaires européens qui ne sont élus par personne. Il y a une directive, on est obligé d'y obéir par les traités européens. Vous avez raison, mais François, je dois vous interrompre parce que notre bien-aimé technicien pousse les hauts cris derrière sa vitre. Mais on a dépassé on reviendra là-dessus. Merci, chers auditeurs, de votre attention.